Bellizer House. Et bonjour à tous, membres de la team Scarabée, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Aujourd'hui, on continue les quêtes. Alors, le destin pire que la mort. La destruction de l'âme est un sort bien pire que la mort. Vous avez rendu un grand service à ceux que vous avez sauvés. Avez-vous les emblèmes de la Légion? Je vois que vous rapportez les emblèmes qu'il nous fallait. Excellent. Voyons comment va réagir ce Langue de Wyrm en apprenant ce que nous avons fait à ses camarades. Je suis à bout de patience, Langue de Wyrm. Ton maître, où se cache-t-il? Ah ok, et il se cache où? Non? Ok. Alors, l'éclat de Vorgos. Si l'on en croit le serviteur Langue de Wyrm, il existe un portail menant à l'intérieur du vaisseau du commandant de la Légion Ardente. Mais impossible de l'ouvrir sans avoir les clés. C'est un héritier de ruine, du nom de Vargos, qui détient le premier fragment. Il vit dans la gangre brèche située aux confins de l'Arcavia. Tuez-le et insérez le fragment à la clé de l'emplacement prévu à côté du portail. Le démon menant les opérations au Bastion Grand Gamme est un Eredar répondant au nom d'Azoran. Pour parvenir jusqu'à lui, il va nous falloir ouvrir un portail menant au vaisseau de commandement de la Légion Ardente. Azoran a sous ses ordres d'un geôlier démoniaque du nom de Kozak Lafligger. Ce dernier détient l'une des clés qui permet d'ouvrir un portail menant au navire. Vous le trouvez dans les salles de l'Eclipse, les quartiers de prison situés sous les sous-bassements du bastion Grand Gramme. Tuez-le et placez son éclat à côté du portail. Ok. Faites confiance au plan du Seigneur. Alors, parce que je crois que je dois voyager même. Bon, tant qu'on est là, on fera la deuxième expédition. Je sais exactement où il est en fait. Il doit être là-bas, dans le trou. Tant de questions et si peu de temps. Bon attends, parce que là on va faire un peu de ménage. Et sinon, on va pas arriver à grand chose. Là, on fait pas le ménage. Alors, hop, voilà. On va prendre cette quête-là. Je suis bien content de vous voir. Cherchez pas pour cette cache, vous arrivez pas à l'ouvrir sans le clé. Je sais bien ce que vous vous dites. Comment la Légion Ardente a-t-elle bien pu capturer un nain aussi puissant qu'Angus? Vous mettez pas Martel en tête. Surtout, hein. Je me suis laissé faire. Et ouais, je suis venu sauver un bon ami à moi. Et c'était le seul moyen. La clé, c'était dans ma poche. Mais elle a dû tomber. Elle est, quelque part dans le coin. Un chasseur corrompu l'a avalé il y a un petit moment déjà. Ah. Et La pile de déchets. Ok, d'accord. Tant de questions et si peu de temps. D'accord, donc on doit aller fouiller dans les poubelles. Why not? Après tout. Chasseur de mages vorace. Donc ça veut dire qu'il va nous bouffer en fait. Je sais pas, on est un mage. Je suis un mage donc il devrait me bouffer normalement.
Carter Stone partiellement digéré. Ouais, la clé. Alors, vous avez trouvé la clé? Vous avez retrouvé la clé? Vite, voyons si c'est la bonne. Oui, c'est bien celle-là. Vous avez réussi. Alors, faut qu'on retrouve Brambley avant qu'il soit trop tard. Le vieux Brambley et moi, on est frères d'armes depuis la Troisième Guerre. Quand la Légion Ardente a envahi les îles brisées, on n'a pas réfléchi à deux fois. On a foncé. Se battre, c'est ce qu'on fait de mieux. Mais pendant la bataille, le vieux Brambley s'est trop avancé et il s'est fait capturer. Faut aller le sauver. La dernière fois que je l'ai vu, les démons l'avaient mis dans une cage pas loin d'ici. Allons-y. Non, ça, pardon. Ah, il faut que je le libère peut-être. Oui, effectivement. Faut qu'on retrouve Brambley avant qu'il soit trop tard. Alors, rentrer dans les salles de l'éclipse. Wow, 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 wow. Ouf, milliard. Je pensais pas que j'en avais attiré autant en fait. Alors, libérez-moi, je vous dirai où ils l'ont emmené. Attends. Bon, déjà, on va commencer par tuer Kazok. Kozak, pardon, pas Kazok. Merci. Ça fait déjà un, et ensuite on va devoir aller dans les profondeurs. On va aller chercher la clé. Qui est juste là en fait. Ma petite lutin, parce que il y a un, j'ai vu un coffre au trésor là-bas dans le fond, donc je vais le récupérer avant que le gars repop. Voilà. Alors maintenant je te libère. Alors dis-moi où il est. Avez-vous trouvé la clé? Ah, je ne suis pas mécontent d'être sorti de cette horrible cage. Maître, je traînerai donc parole, votre ami poilu, comme un singe, et vous pouvez y compter. Alors, la fosse tracker gangrénée. Il n'y a pas un instant à perdre d'eux. Je ne sais pas ce que la Légion Ardente a prévu pour le vieux Brambley, mais ça ne me dit rien de bon. Ça non, vite, il faut le retrouver avant que ces satanés démons lui fassent la peau. Bon, eh ben allons-y. Bon, bah au moins j'ai eu mon amas, quoi.
Pas venu pour rien. Ah, c'est dans les escaliers, ça marche, tiens. C'est bizarre. Je me posais justement la question, c'est dans les escaliers, ça marche. Ok. Bon, on doit attendre qu'il y ait 3 flétries qui repop. Voilà. Ok. Alors, il doit être là quelque part. Alors, découverte les cavernes. Alors, Angus, c'est pas possible. Bramblay, mon vieil ami, qu'est-ce qui t'a permis de te faire tuer? Bramblay, j'arrive pas à le croire. Je ne peux pas l'abandonner dans un endroit pareil. Pas comme ça. Aidez-moi à trouver ce qu'il reste de lui pour que je puisse rapporter son cadavre à la maison. Il aura droit à des funérailles dignes de ce nom. Il les mérite, ça oui. Bon, ok. Ah, attends, parce qu'apparemment, il y a un crâne. Là, au début. Un crâne d'os. Allez, d'accord. Ok, le crâne. Le bras gauche. Alors, bras droit qui doit être ici. Ah non, le tibia. Le tibia. On va choper un fémur. Donc là, ça doit être son fémur. Le bras droit. Bien vu, c'est à lui. En effet, je le reconnaîtrai les yeux fermés. Dague de Bramblay.
Alors, Angus essuie une larme tout en parlant. Bramblé, mon vieux, je te promets que tu auras le plus bel enterrement qu'on puisse se payer. La bière va couler à flot, tu verras. La créature démoniaque qui se dresse devant vous doit être celle qui a dévoré le vieux Bramblé. Non, mais regardez comme elle se prélasse là, le ventre plein. Hors de question qu'elle s'en tire comme ça, Hirder. Il faut tuer ce monstre et venger Bramblé. On va quand même pas s'arrêter en si bon chemin, pas vrai, mage? Alors, vous êtes avec moi? Of course que je suis avec toi, mon pote. Alors, parlez à Bramblé Morrison. Grâce à vous, je suis en vie. Et Mangelrat est mort. Filons d'ici avant que d'autres démons ne réappliquent. Je dois connaître un raccourci. Suivez-moi. Passez devant, je vous suis prêt. Ok, et ça c'est son raccourci. Pour arriver à l'entrée de la caverne. Alors. Ça fait du bien de voir un visage amical. Je ne sais pas combien de temps j'aurais encore pu tenir tout seul. Ok. Bon. Alors moi je me barre, hein. Je t'avoue que je demande pas mon reste. Et je me casse. Parce que maintenant, je dois aller chercher l'éclat de Vorgos. Bordel. C'est pas comme si j'allais devoir tout remonter, quoi. Bah si, en fait. Non. On va passer par là. Quoique. Non, en fait, on va passer par là. Je n'ai pas besoin de révéler tous vos secrets. Là pour le coup, c'était pas le choix le plus judicieux. Je crois qu'on peut dire qu'il est là-dedans. Non. Ah, c'est un combat gagné d'avance, d'accord. Je sais pas parce que si vous continuez à me manquer comme ça, les gars, vous allez pas aller bien loin, moi je vous le dis. Mais bon, je peux pas vous en vouloir d'être nul, quoi, mais. Mais quand même, là. Il y a une limite, quoi. Bien ce que je pensais. Tu vas mourir. Ah. Chez App.
C'est possible ça de mourir? Moi? Bon, vu qu'on a fini celle-là, on va se TP à Dalaran. On va se TP à Dalaran pour ensuite, eh bien... On va se TP à Dalaran pour faire comme on fait d'habitude. Dès qu'on a fini, en général, moi dès que j'ai fini une série d'épisodes, hop, je vais vite à Dalaran pour le côté vente. Hop là, bon, nous voilà à Dalaran. Alors, cette semaine, tiens d'ailleurs, c'est quoi cette semaine? C'est les escarmouches, non? Ouais. Et à partir de demain, c'est les événements de Donjon de Légion. Alors. Salutations. On en a 17, donc on peut en acheter 8. Mais on va d'abord commencer par vendre ici. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, une autre fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, j'ai vu tout. Alors, Codex des biscuits. Alors, j'espère que j'ai un vol. Oui, j'ai un vol. Cool. Comme ça, ça fera une mascotte en plus, niveau 25. Ouais, j'ai de la magie. Les magies, j'ai pas. Mecha, j'en ai deux. Hop, viens ici. 1, 2. Voilà. Bête, j'en ai deux aussi, je crois. 1, 2. Le bébé Kylen. J'en ai deux aussi. 1, 2. Le chiméron albinos, j'en ai deux. 1, 2. L'humanoïde. Est-ce que j'ai un humanoïde encore Apex? Oui, légendaire Bourbi. Voilà, et alors il me faut un élémentaire. Et le jeune phénix sombre. Et voilà, on va en profiter. On va prendre ceci, 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 ceci. On va presque arriver à la moitié. On détruit ça et on arrête l'épisode ici. Voilà. Bon bah on est bien. On est bien ma parole. On est bien. Sur ce, membre de la team Scarabée, prenez soin de vous, faites bien les geeks, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Salut à tous. Hey. Si. Vous pourrez t'abonner à cette chaîne. Tu sais, il y a un bouton juste pour cliquer là. Là, en dessous. Oui, voilà, t'y es presque. Voilà. Clique et tu fais s'abonner. Voilà. Ça, c'est bien.